Sophie Talman Soumillon, 1m81. Ça, je sais pas, trop, beaucoup. Je suis tombée dedans, c'est comme Obélix ou Astérix, je sais plus lequel des deux, je suis tombée dedans toute petite. À l'âge de 3 ans, parce que j'étais en maternelle et il y a une petite fille qui est venue avec le cheval de Barbie et je suis tombée amoureuse de ce cheval. Et surtout après les vrais, quoi. Ah, mes enfants ont découvert l'équitation très tôt parce que déjà enceinte, je montais et quand ma fille est née, Christophe l'a emmenée dans le kangourou et on est parti en balade à cheval tous les trois. Mon chéri, c'est Smart. J'irai Robert Redford parce que ce cheval-là, on l'a choisi sur Internet et il vient du Texas. Et comme Robert est l'homme quand même qui murmure à l'oreille des chevaux aussi, vu que c'est lui qui a réalisé ce sublime film, voilà, une préférence à lui. Du pilates, des étirements et du yoga. Même dans la bouche, ça m'arrive d'en manger. C'est horrible, moi qui suis végétarienne. Non, mais oui, ça nous arrive. Hein. En plus, moi, j'ai souvent l'habitude de monter à cheval ou avec le grand sourire et souvent sans prendre les dents. Beaucoup de légumes, de graines, fruits et surtout beaucoup de sport. Elles sont courageuses, hein. Mais alors en course, je trouve ça assez dangereux. Beaucoup d'admiration et surtout de se mesurer face à ces hommes. Parce qu'ils ne le disent pas, mais quand c'est des courses mixtes, je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup dans les vestiaires. Deauville, ça rime avec famille et victoire. Oh, bah, je fais des grandes déclarations d'amour parce que c'est mon chouchou, donc déjà quand je le vois, en plus il ressemble à une vache, donc je dis « Oh, t'es trop mignon, ma grosse vache. » Mais comment qu'est-ce qu'il ferait? Ah bah, un peu ça, moi, je le préférerais. Il se frotte à moi, ce qu'il m'aime. Oh, heureusement que non. Non. Ah, Jolly Jumper, parce que c'était trop drôle, ces aventures. Finalement, je monte plus des étalons. Vraiment. Je suis pas très jument. J'irai les oreilles pour qu'on murmure dans mes oreilles. Ah, c'est mon mari. Demande à mon fils. Allez, papa.